Bonjour, ici Romain Desrosiers. Bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon 164 d'aujourd'hui, nous verrons comment le déclarant doit choisir la bonne discarde. Ici, les enchères se sont déroulées comme suit. Sud a gagé un sans-atout. Nord a gagé deux trèfles demandant 6 là, 4 cartes de cœur ou 4 cartes de pique. Sud a gagé deux cœurs montrant quatre cartes de cœur et Nord a gagé quatre cœurs établissant le contrat. Et l'entame est de la dame de trèfle. Sud doit espérer que les cœurs sont divisés 3-2 chez les adversaires, donc perdant une levée de cœur. Il a deux perdantes possibles à pique et une perdante possible à carreau si la dame de carreau est mal situé. Sur la dame de trèfle, s'il veut jouer as ou roi de trèfle, doit-il discarder des carreaux ou des cœurs? Il doit se rendre compte que s'il perd deux levées de pique, il a besoin de la finesse à carreau qui doit réussir. Le 9 de trèfle est toujours coupé par un honneur en or. Mais que doit-il faire si la dame de carreau est située à sa droite? Regardons les quatre jeux. Vous voyez que si Nord discarde un pique sur l'as de trèfle et un autre pique sur le roi de trèfle, il perdra une levée en carreau et deux levées en pique quand même, de même qu'une levée de cœur, chutant son contrat. Mais Sud doit prendre sa décision simplement en regardant la valeur des cartes de pique. Il a le 3, le 8, le 9 et le valet, ainsi que le roi et le 10. Donc, même si as, dame de pique sont situés à sa gauche, l'as et la dame de pique ne sont que les deux seuls levées de pique que peuvent prendre les défenseurs. Le valet et le 9, une fois ces cartes passées, le valet et le 9 permettra à Sud en or de discarder les deux levées de carreau. Donc, le choix de Sud doit être le suivant. Au lieu de discarder les piques en or, il doit plutôt discarter les carreaux. Il a donc le 3 de carreau, suivi de l'as. Du petit cœur vers le roi. Du petit pique vers le 10, suivi de la dame. Du 9 de carreau vers le valet, la dame et le roi. De l'as de cœur, suivi de la dame. Et du roi de pique. Même si le valet de cœur est joué, en ouest enlevant des atouts, le 8 de trèfle permettra de à Sud
de couper le nœud de trèpe en long, suivi du valet de pique. Discartant un carreau, du nœud de pique, permettra encore de discarter un autre carreau, et de l'as de carreau. Suivi du carreau coupé en sud. Donc le bon choix pour sud était de bien voir la valeur des cartes qu'il possédait. Et le valet 9, le 9 et le 8 avaient la même valeur que le roi et le 10 en sud. Je suggère de vous abonner. Et vous pouvez cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran pour voir le site internet Entraîneur de Brit. À la prochaine!